Alléluia. Dédié Louis. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore pour Jésus? Amen. On acclame pour Jésus. Là, tu n'as pas acclamé pour Jésus. Tu n'as pas acclamé pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi de roi. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. C'est une joie pour moi de pouvoir encore dans la présence de Dieu. C'est une joie, car la parole nous dit qu'il est doux et agréable des peuples de Dieu de vivre ensemble. Alléluia. Amen. Et je suis vraiment dans la joie de voir mon frère et ma sœur dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, nous bénéficions beaucoup de choses. Alléluia. Dans la présence de Dieu, nous sommes bénis. Dans la présence de Dieu, la grâce de Dieu est là. Dans la présence de Dieu, il y a des miracles qui s'opèrent. Même si dans les yeux physiques, tu ne vois pas, mais dans les yeux spirituels, l'Éternel est en train d'opérer. Alléluia. Amen. Et c'est vrai que nous parlons sur les bonnes œuvres. Nous parlons sur les bonnes œuvres. On nous a parlé que les bonnes œuvres, c'est action faite conformément à la volonté de Dieu. Et lorsque nous parlons des bonnes œuvres, c'est l'action faite conformément à la volonté, conformément à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et on nous a parlé encore que les bonnes œuvres, c'est action charitable envers ton prochain. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur l'attachement à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et notre sous-thème de ce matin, c'est l'attachement à Jésus-Christ. Et pourquoi parlons-nous de l'attachement à Jésus-Christ? Parce qu'on ne peut pas produire des fruits, ou on ne peut pas apporter des fruits, ou on ne peut pas pratiquer des bonnes œuvres si nous ne sommes pas attachés à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas apporter des bonnes œuvres, des fruits. Où tu ne peux pas pratiquer les bonnes œuvres si ta vie n'est pas attachée à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu est amour. Si toi tu veux manifester l'amour envers ton prochain, il faut être attaché avec la personne qui est amour, qui est Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'aimerais partager avec vous sur l'attachement à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si nos vies n'est pas attachées à Dieu, ça sera difficile pour nous de pratiquer, bien aimer les bonnes œuvres. Si nos vies n'est pas attachées à Dieu, ça sera difficile pour nous de porter des fruits. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que moi je porte des fruits, moi je pratique des bonnes œuvres, mais si ta vie n'est pas attachée à Jésus-Christ. Si ta vie n'est pas attachée à Jésus-Christ, ça veut dire que c'est difficile pour toi de porter des fruits. Ce n'est pas difficile, mais c'est impossible. Alléluia. Amen. Parce que souvent, nous pensons que moi, je pratique des bonnes œuvres. Ou moi, je porte des fruits. Mais dans la finalité, ce n'est pas ça. Nous le faisons selon la chair. Nous le faisons bien pour faire voir aux gens. Mais nous ne le faisons pas conformément à la volonté de Dieu. Parce que nos vies n'est pas attachées au Seigneur. Parce que nos vies n'est pas attachées à Dieu. Mais pour pratiquer les bonnes œuvres et pour porter des fruits, nos vies doivent être attachées avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 15, du 1er jusqu'au 8e verset. Jean, chapitre 15, 1 à 8. S'il y a quelqu'un à trouver, peut nous aider à faire la lecture de Jean, chapitre 15, 1 à 8. Jean chapitre 15, verset 1 à 8. J'invite l'ensemble de s'élever pour recevoir la parole.
lis la parole de notre Seigneur. Amen. Jean chapitre 15, verset 1 à 8, sa Bible dit ceci. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Moi, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. Amen. On peut prendre place. C'est ça que je disais, que nous ne pouvons pas porter des fruits si nous ne sommes pas attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que moi je pratique les bonnes œuvres si ta vie n'est pas attachée à Jésus. Parce que souvent on le fait, on pense que nous pratiquons des bonnes œuvres, ou nous faisons des bonnes œuvres, ou nous portons des fruits, mais dans la finalité ce n'est pas ça. Donc nous le faisons pour faire plaire les gens, et nous le faisons par des sentiments. Mais si nous sommes attachés avec celui qui est amour, et nous voulons manifester l'amour envers nos prochains, nous devons être attachés à celui qui est amour. Alléluia. Et avant d'entrer, bien aimé, dans ma prédication, je vais essayer un peu de parler avec vous, quelques exemples que je vais donner qui vont nous faire plonger vraiment dans ma prédication de ce matin. Et dans la Bible, il y a aussi des gens qui s'attachaient aussi aux hommes. Les hommes qui s'attachaient l'un entre eux. Alléluia. Amen. Nous voyons l'exemple de Jonathan envers David. Et Jonathan s'attachant à David. Et bien aimé, cet attachement a produit beaucoup de fruits. Parce que nous avons vu comment Jonathan avait sauvé David. À plusieurs fois que bien aimé, que Saoul le cherchait, Saoul qui était le père de Jonathan, cherchait à tuer David. Mais à plusieurs fois, Jonathan cherchait toujours à sauver David. Alléluia. Donc nous avons vu que cet attachement de l'homme avec l'homme, ça portait aussi beaucoup de fruits. Là, nous pouvons les lire à la maison dans les livres de 1 Samuel, chapitre 19. 1 Samuel 19, du 1er au 7e verset. Et 1 Samuel, chapitre 20, 32e au 33e verset. On va voir comment Jonathan a sauvé la vie de David. Lorsque Saoul cherchait à tuer David, on voit quel bon attachement que Jonathan avait avec David. Jonathan ne voulait pas que son père tue David. Mais Jonathan a sauvé la vie de David. Nous allons voir aussi l'attachement bien-aimé de Ruth envers Naomi. Alléluia. Amen. Là, on va les voir dans les livres de Ruth, chapitre 1, verset 14. Si nous lisons tous les chapitres de Ruth, on va bien comprendre cette histoire. Ici, on nous parle de Ruth qui était attachée à Naomi. Et Naomi, qui était de Bethléem, qui était parti dans cette ville de Moab avec son mari et ses deux fils. Ils sont arrivés là-bas et ses deux fils ont pris les enfants et les femmes comme des femmes moabites. Ils ont pris les moabites comme femmes. Et l'Éternel voulait que Naomi avec son mari et ses enfants retournent à Bethléem. Mais ils avaient refusé la parole de l'Éternel. Et la Bible nous dit que son mari était mort et ses enfants étaient morts. Et Naomi était restée seule avec ses belles-filles. Et lorsque la Bible nous dit que Naomi voulait retourner dans sa terre, et la parole de Dieu nous dit que Ruth a dit à Naomi que moi j'irai là où tu iras. Alléluia. Donc ça veut dire que Ruth s'attacha à Naomi. Et nous avons vu
que cet attachement avait porté aussi beaucoup de fruits. Nous avons vu que comment Ruth était une femme de valeur devant son mari Boaz. Nous avons vu comment Naomi a beaucoup contribué dans la vie de Ruth. Nous avons vu que comment Naomi était là pour conseiller Ruth. Naomi et Ruth est devenue une femme de valeur. Ruth est devenue une femme modèle. Et à cause des conseils que Naomi donnait à tout moment à Ruth. Alléluia. Donc nous avons vu comment aussi, nous avons vu dans la Bible, il y a aussi des attachements de l'homme envers l'homme qui a porté des fruits. Nous avons vu aussi l'attachement d'Élie envers Élisée, Élisée envers Élie. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien-aimés, les attachements que nous faisons envers les hommes, bien-aimés, il y a toujours des trahisons. Aujourd'hui, si nous voyons que les hommes s'attachent aux hommes, il y a toujours la déception. Nous voyons les hommes s'attachent aux hommes, il y a toujours des conséquences derrière cet attachement. Alléluia. C'est pour cela que moi j'aimerais te parler aujourd'hui et j'aimerais te présenter un homme. Lui, aucun jour il va te déceptionner. J'aimerais te présenter un homme ce matin. Si tu t'attaches à lui, tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Bien, mais si tu cherches à s'attacher aux personnes de ce monde, tu seras déçu. Alléluia. Amen. Et si Ruth avait trouvé grâce, bien-aimé, et à travers de son attachement avec Naomi, bien-aimé, que si Jonathan avait trouvé grâce de son attachement avec David ou David avec Jonathan, mais bien-aimé, ce n'est pas pareil de ce que nous voyons aujourd'hui. Et ce n'est pas pareil de ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'attachent aux hommes qui sont déçus. Et tu t'attaches à un homme, mais c'est la même personne qui donnera des faux témoignages contre toi. Et tu t'attaches à un homme, mais c'est la même personne qui te trahira un jour. Tu t'attaches à un homme, c'est la même personne qui cherchera à te tuer un jour. Tu t'attaches à un homme, c'est la même personne qui cherchera à détruire ton foyer un jour. Tu t'attaches à un homme, c'est la même personne, bien-aimé, qui cherchera à éliminer ta vie. C'est pour cela que ce matin, je suis venu te parler de Jésus. Je suis venu te parler de Jésus ce matin. Si tu t'attaches à Jésus, tu ne seras jamais trahi. Si tu t'attaches à Jésus, tu ne seras jamais déçu. Si tu t'attaches à Jésus, bien-aimé, ta vie sera fondée par lui. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Si tu t'attaches à Jésus, bien-aimé, tu ne seras jamais détruit. Ta vie ne sera jamais détruite. Alléluia. Bien-aimé, les gens, tu peux t'attacher aux hommes. C'est les mêmes personnes qui feront des complots contre ta vie. Alléluia. Toi, tu as pensé que c'est un ami pour moi, un frère pour moi. Laisse-moi s'attacher avec lui. Mais c'est les mêmes personnes qui font des complots contre nous. Amen. Mais Jésus ne fera jamais complot contre toi. Bien-aimé, si tu t'attaches à Jésus, tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Car c'est lui qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Il a accepté l'humiliation pour te sauver. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, bien-aimé, il a accepté la mort. Et sa mort nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. Et il nous a appelé l'ami. Il t'appelle l'ami. Il a accepté que son sang coule pour te sauver. Alléluia. Il a donné sa vie pour te sauver. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te parler de Jésus. Si la croix, il a accepté la souffrance. Si la croix, il a accepté l'humiliation. La place que toi, tu méritais. Mais Jésus a pris ta place sur la croix. C'est pour cela que ce matin, je suis venu te parler de Jésus. Attache-toi à Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Amen. Amen. Attache-toi à Jésus. Amen. Tu ne seras jamais déçu. Mais chez les hommes, tu seras toujours déçu. Alléluia. Amen. Tu seras toujours déçu. Attache-toi à Jésus. L'attachement, bien-aimé, c'est avoir intimité envers lui. Avoir des liens envers lui. Quand tu t'attaches au Seigneur, il faut avoir l'intimité avec lui. Alléluia. Amen. Mais l'attachement que nous parlons, bien-aimé, ce n'est pas seulement dire que moi je suis attaché à Jésus. Ce n'est pas l'attachement à la personne de Jésus. Mais nous parlons l'attachement aux œuvres de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que si nous parlons de l'attachement au nom de Jésus, tout le monde peut dire que moi je suis attaché à Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux dire que tu es attaché à Jésus. Tout le monde peut dire que nous sommes attachés à Jésus. Mais l'attachement, nous parlons, c'est les œuvres. Alléluia. Que nous devons être attachés aux œuvres de Jésus.
Alléluia. Et premièrement, bien-aimé, nous devons croire en Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être attaché à Jésus si tu ne crois pas en lui. Alléluia. Amen. Comment tu veux être attaché à la personne que toi tu ne crois pas? Et deuxièmement, c'est recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Et si dans cette salle, il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis venu t'encourager de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Car si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache-le que ta vie n'est pas attachée à lui. Alléluia. Amen. Et troisième point, j'aimerais te parler, c'est croire à l'œuvre de la croix et à sa résurrection. Alléluia. Tu ne peux pas dire que moi je suis attaché à Jésus si tu ne crois pas à l'œuvre de la croix, que Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus a tout payé sur moi. Jésus est mort sur la croix pour moi. Et Jésus est ressuscité le troisième jour pour moi. Le troisième jour, il a ressuscité. Si tu ne crois pas à la mort de Jésus, si tu ne crois pas à sa résurrection, comment tu peux dire que tu es attaché à lui? Alléluia. Amen. 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 Le quatrième point, demeurer en lui. Alléluia. Demeurer en lui. Demeurer en lui, c'est vivre selon lui. Amen. Que ta vie dépend de lui. Alléluia. Amen. Que tout de toi dépend de lui. Que ce soit plus toi, mais ce soit lui-même Jésus en toi. Alléluia. Amen. On nous a fait la lecture, bien-aimé, que Jean chapitre 15, du 1er au 8e verset. Ici, la parole nous dit que c'est moi qui suis le vrai cèpe. Et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il enlève. Alléluia. Bien-aimé, que ce matin que l'Éternel te fasse grâce, que tu ne sois pas ce serment qui ne porte pas de fruits. Tu sois un serment qui va porter des fruits. Alléluia. Amen. Que tu sois un serment qui va apporter beaucoup de fruits. Ici, la parole nous dit que c'est l'image que l'Éternel a pris. Parce que souvent, Jésus parlait au parabole à ses disciples. Mais ici, Jésus est en train de prendre l'exemple d'une image. Et l'image que Jésus a donné comme exemple, c'est un arbre. Il a dit que, et c'est moi qui suis le vrai cèpe, et mon Père le vigneron, et tout serment qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Alléluia. Donc, le serment, si on voit dans un arbre, les serments, ce sont des branches. Des branches d'un arbre. Alléluia. Et lui, Jésus qui est le serpent, il est comme le tronc. Alléluia. Parce que les serments ne peuvent pas porter des fruits, si les serments n'est pas attaché au tronc. Alléluia. Les serments ne peuvent pas, les branches ne peuvent pas porter des fruits si les branches n'est pas attaché au tronc. Les serments ne peuvent pas porter des fruits si le serment n'est pas attaché, bien-aimé, n'est pas attaché au cèpe. C'est où cela, si nous avançons un peu, Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que sans Jésus et sans lui, le cèpe, le serment ne peut pas produire des fruits. Alléluia. Bien-aimé, sans lui, Jésus le tronc, ça veut dire que les branches ne peuvent pas porter des fruits. C'est où cela que Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen, amen, amen. Et le cèpe que nous parlons aujourd'hui, c'est lui-même Jésus. Et le serment, c'est moi et toi. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit que tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Alléluia. Et parce que souvent, bien-aimé, nous disons que nous avons, moi, je crois en Jésus. C'est bon de croire en Jésus. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est bien que tu as reçu Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Je crois à l'œuvre de la croix. C'est bien de croire à l'œuvre de la croix. Je crois à sa résurrection. C'est bien de croire à sa résurrection. Mais regarde sur ta vie. Est-ce que tu es un serment qui porte des fruits? Alléluia. Et regarde maintenant comment est ta vie. Regarde maintenant comment est ta vie. Alléluia. Est-ce que tu demeures en lui? Est-ce que Jésus vit en toi? Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que tu dépends de lui? Est-ce que tu fais ce que lui il fait? Alléluia. Parce que croire en lui, tu crois en lui. Tu l'as reçu dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, on l'enlève. Alléluia. Laisse que tu sois pas ce serment qui est en Jésus, qui ont pris à Jésus, qui ont accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui ne porte pas de fruits, mais que tu sois le contraire, un serment qui portera des fruits. Alléluia. Amen.
Et la parole nous dit encore. La parole nous dit, et tout sama qui porte du fruit, il est temps afin qu'il porte encore de plus. Il porte encore plus de fruits. C'est ça que l'Éternel attend de nous. L'Éternel attend de nous. Nous portons encore beaucoup de fruits. Et pour cela, j'aimerais encourager une personne qui est en train de produire, qui est en train de porter des fruits, qui pratique des bonnes œuvres. J'aimerais t'encourager de continuer à le faire. Alléluia. J'aimerais t'encourager de continuer à le faire. Ne s'arrête pas, mais de continuer à le faire. Et j'aimerais encourager aussi une personne qui n'a jamais pratiqué des bonnes œuvres. Une personne, bien aimée, qui ne portait pas de fruits, de porter les fruits. Alléluia. Amen. Et la parole, elle nous dit, déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Amen. Est-ce que la parole de Dieu vous rend pire ce matin? Alléluia. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter des fruits par lui-même. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que moi je porte des fruits. Moi je pratique les bonnes œuvres en soi-même. S'il n'y a pas la présence de Dieu en toi, si tu n'es pas attaché à lui, si tu n'as pas l'intimité avec lui, si tu n'as pas le lien envers lui, et comment tu porteras les fruits? Car la parole nous dit, sans rester attaché au cèpe, il n'en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Alléluia. Amen. Je suis le cèpe, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Et sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous qui sommes les cèpes, sans la présence de Jésus. Et sans Jésus dans nos vies, bien aimé, on ne peut pas porter des fruits. Et sans Jésus dans nos vies, on ne peut pas pratiquer des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Quand Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment que moi je dis que je porte des fruits, je pratique des bonnes œuvres, mais en moi il n'y a pas la présence de Dieu. Et ma vie n'est pas attachée à Jésus. Ma vie n'est pas attachée à Jésus. Comment tu vas porter des fruits? Alléluia. Amen. Parce que souvent nous pensons que ce que nous le faisons selon la volonté de Dieu. Mais souvent nous ne le faisons pas selon la volonté de Dieu. Plusieurs bonnes œuvres que nous faisons pour faire plaire les hommes. Plusieurs bien-aimés, bonnes œuvres que nous faisons, bien-aimés, pour faire voir aux hommes. Mais nous ne le faisons pas pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nos vies n'est pas attachées à lui. Nos vies n'est pas attachées à lui. Que l'Éternel fait que nous portons encore beaucoup de fruits. Parce que sans lui dans nos vies, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons même dans les livres Jean chapitre 6, 66e au 68e verset. Jean chapitre 6, qu'est-ce que la parole nous dit? Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retiraient et arrêtaient de marcher avec lui. 67, Jésus dit alors aux 12, Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. À qui irions-nous? La parole nous dit qu'ils étaient au nombre de 72. Mais les 60 se détachaient à Jésus. Les 60 ont pris la décision de laisser Jésus de partir. Ils se détachaient de lui. Et les 12 sont restés là-bas. Et Jésus a dit, Ne vous pas aussi, vous en allez. Et Pierre a répondu, Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés, pour produire des fruits ou pour apporter des fruits, il faut être attaché à Jésus. Amen. Et les 12, ils ont compris qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Ils ont compris que cet homme qui a la parole qui donne la vie. Et à cet homme que nous trouverons la parole qui donne la vie. Alléluia. Amen. Et les 12 ont resté attachés à Jésus. Ils ont resté fidèles à leur attachement à Jésus. Alléluia. Amen. Laisse que l'Éternel nous aide ce matin. Que nous soyons aussi des hommes
qui seront fidèles dans nos attachements envers lui. Que tu sois une femme qui sera fidèle dans ton attachement envers lui. Alléluia. Amen. Que tu sois un homme qui sera fidèle dans ton attachement envers lui. Amen. Et lorsque une personne s'attache à Jésus, nous avons vu que l'attachement des disciples envers Jésus, nous avons vu aussi, bien-aimé, comment cet attachement a porté des fruits. Nous avons vu les disciples ont fait les miracles. Alléluia. Amen. Les disciples ont fait les miracles. Les disciples ont prêché la bonne nouvelle. Il y a des gens qui se sont convertis. Alléluia. Ils ont fait beaucoup de choses, les disciples de Dieu, parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Même aujourd'hui, bien-aimé, il y a beaucoup de chambres de Dieu. Il y a beaucoup de enfants de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, nous prions pour les malades, mais il n'y a pas la guérison. Il n'y a pas la solution, parce que nous sommes plus attachés à Jésus. Nous sommes plus attachés au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si nous sommes attachés à lui, bien-aimé, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Lorsque nous chasserons les démons vont partir. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Nous prierons pour les malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous ne les voyons pas aujourd'hui, parce que souvent nous sommes détachés de lui. Alléluia. Amen. Nous sommes détachés de Jésus. Les disciples ont fait des miracles. Les disciples ont prêché la bonne nouvelle. Les gens se sont convertis. Les gens ont abandonné le mal. Alléluia. Parce qu'ils étaient attachés à celui qui opère les miracles, à celui qui est les miracles. Ils étaient attachés à celui qui est la guérison. Ils étaient attachés à celui qui est la délivrance. Lorsqu'ils étaient attachés à lui, à chaque fois qu'ils priaient pour les malades étaient guéris. Alléluia. Amen. Cherchez-nous à s'attacher à Jésus. Amen. Cherchez-nous à s'attacher à Jésus. Tu vas vivre les merveilles de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir comment Jésus va t'utiliser. Les gens vont témoigner que cet homme est devenu extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviendras différent. Alléluia. Amen. C'est important pour nos bien-aimés. Nous avons vu aussi, bien-aimés, que l'exemple de Paul. L'exemple de Paul qui était meurtrier, Paul qui tuait les gens. Lorsque cet homme, Jésus a rencontré cet homme dans le chemin de Damas, la Bible nous dit, Jésus a appelé cet homme par son nom. Saul, 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 pourquoi tu me persécutes? Il ne savait pas ce qu'il faisait à ses proches, à ses gens, il le faisait à Jésus. Alléluia. Amen. Mais c'était le même jour que Jésus a visité Saul. Jésus a recommandé de l'amener, bien-aimé, à Damas, là où il a rencontré Ananias, qui avait la peur pour s'approcher de Saul, parce qu'il savait qui était cet homme. Alléluia. Amen. Il avait serviteur de Dieu, avait la peur. Mais Dieu, l'Éternel, a visité serviteur de Dieu. L'Éternel lui a dit que cet homme, c'est un instrument que moi j'ai choisi pour faire connaître au long jour fait mon nom. Alléluia. Lorsque tu sois un choisi ce matin, tu sois un choisi de Dieu. Tu sois quelqu'un que l'Éternel a choisi ce matin pour porter le fruit. Alléluia. Amen. Tu sois quelqu'un que l'Éternel a choisi ce matin pour faire connaître à ceux qui ne connaissent pas Jésus, Jésus, pour croire à lui. Alléluia. Amen. Oh, laisse que mon Dieu te bénisse cette visite encore. Amen. Et la Bible nous dit, et qu'est-ce que cet homme a dit? Cet homme s'est converti. Et lorsque le serviteur de Dieu a imposé sa main, et la parole de Dieu dit, il y avait une puissance qui descendait dans la vie de Saul. Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, Galates 2, 20, la parole nous dit, j'ai été crucifié avec lui. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Il était crucifié avec Jésus. Il était mort avec Jésus. Parce que lorsque l'apôtre Paul vient de prêcher la parole, lorsque l'apôtre Paul évangélisait, bien, il y avait des gens qui murmuraient. Parce qu'il y avait des gens qui connaissaient sa vie. Il y a sa vie en avant. Les gens ne croyaient pas, c'était lui qui apportait la parole. Alléluia. Amen. Et l'apôtre a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sa vie ancienne était partir. Le vieux homme était partir. Maintenant, il était devenir une nouvelle personne. Amen. Il était devenir une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Et les gens qui le connaissaient dans sa vie ancienne ont commencé à murmurer. Et il a dit que j'étais crucifié avec
Non, ça nous dit que l'Église sans les pieds attachés à Jésus. Ça veut dire que son fils n'est pas plus de lui-même. Alléluia. Amen. Et son fils n'est pas plus de lui. Et si tu es attaché à Jésus, ça veut dire que ton fils doit dépendre à Jésus. Alléluia. Amen. Mais plusieurs fois, bien-aimés, nous disons que nos filles, nous sommes attachés à Jésus. Mais en regardant ce que nous faisons, et avec l'attachement, ça ne collabore pas. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de collaboration. Les comportements que nous affichons, nos façons de vivre, bien-aimés, avec ce que nous disons, ce n'est pas pareil, c'est des choses différentes. Devant les hommes, nous prétendons être des bons serviteurs. Nous prétendons être des bonnes personnes. À l'église, nous sommes là comme des chats. Nous sommes là comme des serviteurs. Mais en dehors de l'église, notre comportement est différent. Alléluia. Amen. En dehors de l'église, notre comportement est différent. Et comment? Et parlons-nous que nous sommes attachés à l'église Jésus. Parce que l'attachement avec Jésus doit nous accompagner partout. Doit nous accompagner partout que nous irons. Alléluia. Amen. Que ce soit dans nos maisons. Bien-aimés, dans nos accompagnements, mais dans le travail. L'attachement avec Jésus. Et cette fille doit nous accompagner partout. Mais nous sommes attachés avec lui. Mais regardez comment est le comportement. Comment est tes comportements dans ta maison? Comment tu te comportes dans ton entourage? Et comment tu te comportes, bien-aimé, là où tu travailles? Et comment tu te comportes vis-à-vis de tes prochains? Alléluia. Amen. Et cela, j'aimerais bien réveiller les pensées ou conscience d'une personne. Parce que souvent, nous pensons que nous sommes attachés à Dieu. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas attachés à Dieu. Parce que attachement à Dieu, c'est l'intimité avec lui. Alléluia. Partout que tu iras, partout que nous passerons, bah, tu feras ma tête, toi, que nous tournons avant moi. Il faut que mon âme vienne avec la présence de Dieu en toi. Pour que les gens confirment, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit à toi. Alléluia. Amen. C'est ça que les gens, ce n'est pas toi qui vas te témoigner en soi, mais c'est les gens qui donneront des témoignages sur toi. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu peux dire que moi, je suis attaché à Jésus. Je suis serviteur de Dieu, je suis homme de Dieu. Mais si les gens ne voient pas cet attachement, ne voient pas les fruits de cet attachement, ne voient pas bien aimer les œuvres de cet attachement, bien aimé, il n'y a pas l'attachement sans œuvre. Alléluia. Amen. Il n'y a pas l'attachement sans œuvre. Celui qui tout haut, on vivra quand même en haut. Parce que le changement des quatre dans le ça veut dire que nous sommes tous carrément embêtés. Nous ne sommes pas attachés avec Jésus. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas attachés avec Jésus. Quelqu'un qui est attaché avec Jésus, quelqu'un qui est crucifié avec lui, comme l'apôtre Paul a dit, lui qui était Saul, même son nom était changé le jour-là. Et Saul, il est devenu Paul. Alléluia. Amen, amen. À tout moment, il y a eu un maman qui tombe là. Mettons au coup final, Yesu, c'est oui. Na Yesu, alléluia. Bah, comme il y a eu un monde, il y a eu une servante de Dieu. Alléluia. Au moment où il faut apporter une bonne nouvelle. Alléluia. Mais nous restons beaucoup dans mon vie ancienne. Donc, tu dis que la vie est là. Mais quand la monde est je suis attaché avec Jésus. Moi, je vis avec Jésus. Moi, je marche avec Jésus. Moi, je vois Jésus. Moi, je parle avec Jésus. Moi, j'attends Jésus. Moi, j'écoute Jésus. Mais quand tu vois la vie de la personne, avec ce que la personne est en train de parler, c'est des choses différentes. Alléluia. Amen. C'est des choses différentes. C'est des choses différentes. Parce que nous n'avons pas l'intimité avec Jésus. C'est des choses différentes. Paul a changé de vie. Paul a changé de vie. Paul n'était plus des personnes différentes. Mais c'est Christ qui vivait en lui. Ce n'était plus lui, mais c'est Christ qui vivait en lui. Alléluia. Amen. C'est Christ qui vivait en lui. Quand il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la parole nous dit encore, nous sommes toujours ici. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Paul a dit encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Nous avons reçu Jésus. Amen. Moi je crois,
à l'œuvre de la croix. Amen. Je crois sa résurrection. Amen. Mais si je ne vis pas avec Jésus, comment il y aura une nouvelle vie en moi? Alléluia. Amen. Car lui-même Jésus, il est nouvelle. Alléluia. Amen. Mais si moi je suis avec Jésus, bien aimé, toute ma vie ancienne doit passer. Alléluia. Les gens qui me voyaient dans cette vie de l'impudicité doivent témoigner que la personne là a changé. Alléluia. Amen. Les gens qui me voyaient dans le fausse témoignage, bien aimé, ces gens-là, le monde doit témoigner que réellement tu as changé. Alléluia. Amen. Parce que c'est plus toi, mais c'est du Christ qui est en toi. Et tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle personne. Alléluia. Laisse que l'Éternel nous aide, que nous deviendrons de nouvelles personnes. Amen. Nous deviendrons de nouvelles personnes. Oh, on a cassé Kanayoyakala. On boit cassé Kanayoyakala. Mais on soit cassé Kamoyasika. Alléluia. Cassé Kassika, on est allé le bal ensemble. On fait du serrocat, c'est bon, il y a mon écoutant pour ça. Alléluia. Parce que quand nous parlons de l'attachement de Jésus, c'est l'attachement de sa parole. Parce qu'on va écouter ce que Jésus a dit. Si vous demeurez à moi et vous gardez mes commandements, voilà maintenant vous deviendrez mes disciples. Alléluia. Tu ne peux pas devenir disciple de Jésus si tu ne demeures pas en lui, si tu n'es pas attaché à lui, et si tu ne gardes pas sa parole, et si tu ne marches pas selon ta parole. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas devenir son disciple. Amen. Paul est devenu une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Tu as reçu Jésus dans ta vie parce que tu es devenu une nouvelle personne. Est-ce que tu es devenu une nouvelle personne? Depuis que tu as reçu Jésus, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ou depuis que nous avons commencé cette prédication, nous avons commencé à parler sur les bonnes œuvres, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui est amélioré dans ta vie? Est-ce qu'il y a l'amélioration dans ta vie? Alléluia. Amen. Paul est devenu une nouvelle personne. Quelqu'un qui est attaché à Jésus doit devenir une nouvelle personne. Amen. Parce que sa vie ne dépend plus de toi, mais c'est Jésus de Jésus. Amen. À lui, alléluia. Tes pas, ça sera plus toi-même qui va diriger tes pas, mais c'est Jésus qui dirigera tes pas. Et si une personne est attachée avec lui, ce n'est pas à toi de dire que tu es attaché avec lui, c'est les hommes qui vont témoigner. Parce qu'ils vont voir des fruits en toi. Ils vont voir des bonnes œuvres à toi. Et les gens vont témoigner que réellement la personne là a changé. Alléluia. Ton mari témoignera que réellement que ma femme a changé. Amen. Alléluia. Amen. Ta femme témoignera que réellement que mon mari a changé. Alléluia. Amen. Et tes camarades témoigneront réellement que notre camarade a changé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu es attaché avec lui, ce n'est pas toi qui diras. Mais c'est tes œuvres, bien-aimés. Tes œuvres, bien-aimés. Les fruits que tu vas porter, c'est ça, bien-aimé, qui poussera les gens à dire que réellement que tu as changé. Alléluia. Amen. Merci à l'Éternel, nous aime, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Je vais continuer dans le titre. La parole nous dit, je suis le cèpe. Je suis le cèpe, vous êtes les savants. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ah, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le serment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas attaché au cèpe. Alléluia. Amen. Le serment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas attaché au cèpe. Les branches ne peuvent pas porter de fruits s'il n'est pas attaché, bien aimé, au tronc. Alléluia. Amen. Et c'est la même aussi à nous. On ne peut pas porter de fruits si nous ne sommes pas attachés à Jésus. Alléluia. Amen. Et sixième, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les serments et il sèche, puisqu'on les ramasse. On ramasse les serments, on les jette au feu et ils brillent. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, avant de développer ça, souvent nous les peuples de Dieu, même ceux qui sont déjà attachés à Jésus. Il y a souvent, bien-aimés, nous sommes détachés de Jésus et à cause de nos compagnons et à cause de nos entourages, il y en a d'autres à cause de la souffrance. Alléluia. Amen. Romains 8, 35, la parole nous dit,
qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Serait que la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le danger ou l'épée, la mort, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Parce que souvent, la souffrance, elle nous sépare de Dieu, nous détache de Dieu. Parce que je vais parler à quelqu'un chose, que la mission de Dieu avait dans ta vie, de faire tout, de te détacher de Dieu, pour que tu t'attaches à lui. De te dépeupler dans les camps de Dieu, pour te peupler dans son camp. Le temps que tu seras attaché à Jésus, le diable sera toujours là pour te menacer. Cherchera toujours à te persécuter. Cherchera toujours à détruire ta vie. Parce qu'il sait déjà que derrière la souffrance, tu ne vas plus supporter. Et là, tu vas te détacher de Dieu. C'est cela que nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui qui ont consulté les occultistes. Parce qu'ils voient que la souffrance est le plus. Il y a beaucoup qui ont donné leur vie à la prostitution. Parce que la souffrance est le plus. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ont fait l'adultère parce que dans sa maison, son mari ne travaille pas. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui font des choses bien-aimées parce que la souffrance, elle les pousse. Alléluia. Ce que j'ai aimé, bien-aimés, dans le temps de Philippe, lorsque Philippe est arrivé à Samarie, c'était dans le temps où l'église était persécutée. Mais l'église était persécutée. Mais les chrétiens annonçaient la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien qui peut nous détacher de Dieu. La souffrance ne peut pas nous détacher de Dieu. Alléluia. Amen. Le manque bien-aimé de l'argent ne peut pas nous détacher de Dieu. Alléluia. Amen. Et parce que lorsque toi tu manques, le diable est là. Et pour te pousser, pour que tu te détaches de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'à Dieu, il y a tout. Alléluia. À Dieu, il y a tout. Mais lui, il veut que tu te détaches de Dieu. Tu te détaches de Dieu. C'est cela que la parole nous dit que qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui te poussera de te détacher de Dieu? Qui te poussera de te détacher de Dieu? Parce que si tu te détaches de Dieu, ta vie n'est plus en sécurité. Job, bien-aimé, peu importe ce que Job a vécu. Job a traversé les moments difficiles. Il a perdu ses enfants. Il a perdu la richesse. La maladie est venue. Job est resté fidèle à son attachement avec Dieu. Alléluia. Job est resté fidèle à son attachement avec Dieu. Et la parole nous dit, le serment qui ne portait pas de fruits se rejetait dehors. Alléluia. Amen. Comme les serments, ils sèchent et puis on les ramasse. On ramasse les serments, on les jette au feu. Amen, amen. Amen. Les serments qui n'est pas attaché avec au sein, les serments là, la parole de Dieu nous dit, il les jetait dehors. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne porte pas des fruits. Si nous, nous disons ou nous prétendons dire que nous sommes attachés avec Dieu ou avec Jésus, mais à nous, il n'y a pas de fruits, à nous, il n'y a pas de bonnes œuvres, nous serons comme ces serments qui est jeté dehors. Alléluia. Amen. Et si nous sommes jetés dehors, nous serons plus sous la protection de Jésus. Alléluia. Amen. Tu seras plus sous la protection de Jésus. Si ta vie est jetée dehors, car en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il y a les plaies. En dehors de Jésus, c'est la souffrance. En dehors de Jésus, c'est les chagrins. En dehors de Jésus, c'est les problèmes, c'est la maladie, c'est les combats. Parce que ta vie ne sera plus sous la protection de Dieu. L'ennemi peut faire ce qu'il fait dans ta vie, dans le moment qu'il fait. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous voyons aujourd'hui beaucoup de foyers des enfants de Dieu. L'ennemi est en train de
attaquer parce que nous ne sommes plus attachés au serpent. Nous ne sommes plus attachés à Jésus. Bien, mais cherchez même que nos familles soient attachées. Cherchez que nos familles, bien aimés, soient attachées avec Jésus. Alléluia. Amen. Et mon fils soit attaché avec Jésus. Et si nous ne sommes pas attachés avec lui, et nous ne porterons pas de fruits, nous serons jetés. Lorsque nous sommes jetés, il n'y a plus la protection de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes jetés, et la mort nous attend devant. Alléluia. Nous voyons ou nous lisons l'histoire de Saoul. Saoul a désobéi à la voix de Dieu. Parce qu'il a écouté les hommes. Il a écouté son armée. Il a préféré à désobéir à Dieu. Alléluia. Amen. Et Saoul était jeté. Saoul était rejeté de Dieu. Et la conséquence de Saoul était la mort. Voir même à ses enfants, bien-aimés, ont mouru à cause de la désobéissance de son père. Parce que son père était déjà chassé. Son père était déjà rejeté de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes rejetés de Dieu, lorsque nous sommes en dehors de Dieu, bien-aimés, il faut s'attendre à la mort qui t'attend des fois. Alléluia. La mort peut être de plusieurs façons. Ça peut être la mort spirituelle. Ça peut être la mort financière. Ça peut être la mort spirituelle, la mort physique. Alléluia. Parce que tu n'es plus sous la protection de Dieu. Tu n'es plus sous la protection de Dieu. Si nous sommes jetés dehors, la souffrance nous attend. Le plaire nous attend. C'est pour cela que je vais encourager une personne ce matin. Attache ta vie au Seigneur. Cherche à demeurer avec Jésus. Cherche à marcher avec Jésus. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Et on nous dit comme les serments qui sèchent. Les serments qui sèchent deviennent les serments inutiles. Parce qu'on ne peut plus, ça ne peut pas produire, ça ne peut plus produire des fruits. Ça devient les serments inutiles, serments sans valeur. Alléluia. Amen. Si on voit que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 30, et la parole de Dieu nous dit, Matthieu 25, verset 30, quand aux serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Amen. Nous connaissons cette histoire, l'histoire des talents, de les serviteurs qui avaient caché l'argent que le maître l'avait donné. Dans le retour de son maître, parce qu'il avait la peur que son maître a dit à ses serviteurs de les jeter. Parce qu'il n'a pas fait la volonté de son maître. La parole nous dit qu'on lui a appelé serviteur inutile. Donc, le serment qui ne porte pas de fruits, c'est un serment inutile. Les branches qui ne portent pas de fruits, c'est une branche qui n'a pas de valeur. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on a dit qu'on les jette dans le feu. Parce qu'il n'a plus de valeur. Mais au milieu de nous, nous sommes des femmes, nous sommes des hommes, nous sommes bien habillés. Laisse que l'Éternel nous aide, bien-aimés. Que nous portons vraiment des fruits. Amen. Que nous ne soyons pas des serviteurs inutiles. Que nous ne soyons pas des serviteurs sans valeur, mais nous soyons des serviteurs de valeur. Alléluia. Amen. Des serviteurs qui vont porter des fruits. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que c'est vraiment que l'Éternel nous aide? Et pour finir, la parole de Dieu nous dit, si vous demanderez à moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits. Amen. Et vous serez mes disciples. La gloire de Dieu, la volonté de Dieu, est que tu portes beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, à la personne qui porte des fruits, j'aimerais adresser à la personne qui porte des fruits, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous sera accordé. Nous voyons l'histoire, bien-aimé, de Ézéchias, bien-aimé, qui était devant la mort. Bien-aimé, qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias, qui était devant la mort. Le prophète Esaïe est venu auprès de lui
Il a annoncé la nouvelle que dans quelques jours tu vas mourir parce qu'il était vraiment malade. Et Ézéchias a tourné sa face vers le mur. Il a pleuré au Seigneur. Il a rappelé à Dieu son attachement avec lui. Il a rappelé à l'Éternel la fidélité de son attachement avec lui. Alléluia. Amen. On va le voir dans le livre de Deutéronome chapitre 18 du 1er au 8e verset. Il a rappelé à l'Éternel son attachement envers lui. Comment il était fidèle envers lui. Et comment il était fidèle envers lui. Il a rappelé au Seigneur. Et la Bible nous dit que l'Éternel a visité le prophète Esaïe dans la cour des routes. Il a dit, retourne à cet homme. Alléluia. Amen. Et l'Éternel a béni cet homme. Il a augmenté 15 ans de vie dans la vie d'Ézéchias. Alléluia. Parce que cette pièce avait demandé la vie au Seigneur. On a dit que tu vas mourir. Mais cette pièce a pleuré devant Dieu. Il a demandé la vie. Et il a rappelé à l'Éternel comment il était fidèle envers lui. Dans son attachement envers l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, en quoi tu vas rappeler l'Éternel? En quoi tu rappelleras l'Éternel lorsque la maladie sera devant toi, lorsque le problème sera devant toi, lorsque la souffrance sera devant toi, lorsque les hommes vont te combattre, en quoi tu rappelleras l'Éternel? Alléluia. Quel fruit tu es en train de porter, quelle bonne œuvre tu es en train de pratiquer, qui fera que toi, tu rappelles à l'Éternel la fidélité de ton attachement vers lui. Est-ce que tu es celui qui marche avec lui, tu es celui qui a l'intimité avec lui, tu es celui qui obéit à sa parole, tu es celui qui marche selon sa parole, selon sa voix. Oh, nous faisons le contraire, alléluia. Car en dehors de lui, il n'y a pas la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour conclure, on va lire dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 6. Tite, chapitre 1, verset 6. Tite, chapitre 1, verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Il prétend connaître Dieu. Mais il les renie par leur manière d'agir. Ils sont abominables et rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Alléluia. Amen. Parce que souvent, l'image qu'on donne aux gens, ce que nous disons aux gens, avec la réalité des œuvres qui sont à nous, c'est des choses différentes. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, il prétend. Il prétend connaître Dieu. Souvent aussi, nous prétendons connaître Dieu, que moi je connais Dieu. Moi je parle avec Dieu. Il est régné par leur manière d'agir. Le lengue la yo ya quoi agir. Comportement la biso. Les amis qu'on sent la été, to kabona ensemble. Alléluia. Donc nous réunions Dieu à travers nos façons d'agir. Nous réunions Dieu à travers nos comportements. Alléluia. Régner Dieu n'est pas dit seulement que la tikinzambe to na wanga nzambe. Bato bazali komona ko wanga nzambe kati na biso par rapport ya auto soloba. Oyo tozo prétendre ko sala, na oyo biso tozo sala, na ba evre oyo tozo pratiquer, ezo bala na ti. Na église, nous sommes des serviteurs, mais en dehors de l'église, c'est l'adultère. En dehors de l'église, c'est la colère à nous. En dehors de l'église, c'est bien aimé, la méchanceté à nous. En dehors de l'église, tous les fruits charnels est à nous. Alléluia. Bien aimé, nous prétendons parler de Dieu. Mais au moins, la personne qui prétend parler de Dieu, il y a la colère en lui, il y a la jalousie en lui, il y a l'adultère en lui, il y a la nervosité en lui, il y a l'esprit de division en lui, il y a l'esprit de séparation en lui. Mais dans nos bouches, nous parlons de Dieu. Mais sans oublier, on est en train de régner l'Éternel. Parce que ce que nous parlons et ce que nous pratiquons, c'est des choses différentes. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Éternel nous aide et que nous soyons vraiment les modèles? Alléluia. Amen. Ils sont abominables, rebelles, incompétents pour la moindre œuvre bonne. Nous sommes incompétents de faire, de pratiquer les bonnes œuvres. Mais nous prétendons, nous disons que nous connaissons Dieu. Mais pour pratiquer les bonnes œuvres, nous n'arrivons pas.
Et ce que nous pratiquons, c'est des choses vraiment différentes. C'est des choses différentes. Et la parole nous dit, Luc chapitre 22, verset 31. Luc 22, verset 31, la parole nous dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme les bleus. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenir à moi, affermis tes frères. Alléluia. Bien-aimé, pour finir, c'est Simon. Satan avait réclamé Simon. Simon qui était proche de Jésus. Mais allons maintenant, pose-toi les questions. Qu'est-ce que Satan fera pour toi? Peut-être qu'il y a des réalités de vie que tu vis aujourd'hui, ta vie est déjà réclamée quelque part. Il y a des gens qui réclament ta vie sans le savoir. Tu fais quelque chose et rien qui ne marche, il y a des réclamations quelque part. Alléluia. Amen. Tu es en train de chercher des démons, rien qui ne marche. Pose-toi des questions, pourquoi? Parce que ta vie est déjà réclamée quelque part. Si Simon était réclamé, mais Dieu, Jésus a prié pour lui, pour que sa foi ne disparaisse pas, parce qu'il était attaché avec lui. Si tu es attaché avec Jésus, les liens de ta famille peuvent te réclamer. Les démons de ta famille peuvent te réclamer. La sorcellerie de ta famille peut te réclamer. Alléluia. Amen. Mais rien n'arrivera dans ta vie. Amen. Parce que tu es attaché au Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui qui combattra pour toi. Amen. C'est lui qui sera la fondation de ta vie. Amen. C'est lui qui sera ton défenseur. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui sera là pour combattre pour toi. Alléluia. Amen. C'est lui qui sera là, bien-aimé, pour faire tomber tes ennemis. Alléluia. À chaque fois qu'ils vont s'élever, Jésus va les donner les chicotes. Alléluia. Bien-aimé, si tu es attaché avec lui, à chaque fois qu'ils vont s'élever contre toi, ils seront confondus. Alléluia. À chaque fois, bien-aimé, ils vont réclamer ta vie. Leur parole sera condamnée au nom de Jésus. Alléluia. Mais si nous sommes attachés avec Jésus, le monde peut nous réclamer. Rien de mal nous arrivera. Amen. Alléluia. Amen. Même si je marche à l'ombre, parler de la mort. Même si papa Martin a continué la case de l'hôpital. Mais ma coquille au côté, il a chababilité. Papa Martin a été attaché à Jésus. Amen. Jésus a tellement continué le camoulaye. Jésus a niati ma mort. Ça sera la même pour toi. Amen. Même si il y a des démons qui se lèvent, Dieu aimé, pour perturber le programme de ta vie. Je ne vais pas arriver dans ton destinée. À chaque fois que tu seras attaché avec Jésus, Jésus se lèvera pour combattre pour toi. Alléluia. Pour finir, on va connaître les gens qui sont détachés de Dieu à travers de leurs œuvres. Tu vas voir la colère en eux, la jalousie en eux, les fausses témoignages, le esprit de séparation en eux. En dehors des fruits de la chair, tu vas comprendre des personnes comment. Tu vas voir qu'une personne qui était motivée dans le service de Dieu, il devait être démotivé. Une personne qui avait le courage pour servir Dieu, il devait être découragé. Même s'il vient à l'église, il est distrait. Alléluia. Même si on parle de la parole de Dieu, il est distrait. Alléluia. Tu vas comprendre comment ces genre de personnes. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Tu vas comprendre comment ces genre de personnes. Tu vas les voir que ce sont des personnes, lorsque, en avant, c'est des personnes qui croyaient. Maintenant, sont devenir des personnes qui doutent. Il n'y a plus la foi en eux. Même si tu les parles de Jésus, mais ce sont des personnes qui commencent à douter. Alléluia. Et comment tu vas comprendre des personnes? Tu n'y auras plus la vie spirituelle en eux. Tu vois qu'une personne qui priait trois fois par jour, mais pour prier seulement même 30 minutes, ça devient quelque chose de difficile pour lui. Ça veut dire que la personne a commencé déjà à devenir détachée de l'éternel. Mais pour méditer la parole de Dieu, ça devient difficile pour la personne. Ça veut dire que la personne a commencé déjà à se détacher de Dieu. Le diable commence déjà à pousser la personne. Mais si tu es parmi ces personnes qui n'ont plus l'envie de prier à toi, bien-aimé, tu n'as plus le goût de prier, tu n'as plus la motivation que tu as fait en avant, tu n'as plus, bien-aimé, c'est l'envie que tu avais en avant de servir l'éternel. Mais laisse que Dieu te donne la force. Amen. Que l'éternel te visite. Amen. À travers sa puissance. Amen. Que tu sois visité, bien-aimé. Amen. Que tu retournes dans ton premier amour.
Amen. Amen.